sont Ryu face à Jim. Ce sera maintenant le premier match de cette petite finale. Jim Genki. Jim Sugenki. Et Genki, évidemment, qui veut sa place en grande finale. Absolument. Genki est à... Are you ready? C'est... C'est... C'est le... C'est le Kabeita. Kabeita. Attention, Hadouken qui whiff ici parce qu'il prend la Karachop. Genki sur l'Okizé, mais le cross-up est bien passé. Oh, pratique doit être au point. Allez, t'en as plus que deux ans, les va dans la gare. Mais ainsi, en mettant un petit point, décalé le chop, bien déchopé par Jim. Qui revoit le dragon, imprévisible. Le Zonigno Dragon avec ce petit... talent qui finalement eh bien n'a de secret que pour lui et son dragon cancel EX Shoryu overhead coiffé. Un match très important parce que je rappelle que le vainqueur de ce match laisse la décision finale au match entre les deux joueurs japonais. Ah, la Genki qui place ici cette chop là avec un Sumaki cross-up sur la relevée, la phase vide de Yamazaki. On les connaît ici au Stunfest, il adorait faire ça. C'est marrant de les revoir encore en finale ces phases là. Avec un bon... Attention parce que le Hadouken était utilisé à une distance. Bon, encore un dragon, anticipation avec deuxième dragon. Le cross-up la kick est là, mais ouais, Genki qui dash. Et qui dash très très proche de son adversaire. À un moment, finalement, il fallait peut-être plutôt se replier. Le Hadouken, il est bien. Juste le repri après la prise d'avantage. Non, pas à ce moment-là. Ouh, complètement raté avec son bas gros point ici. Jim, replacer Karachop derrière le Dolka. Attention à Lokizem, c'est un cross-up bien gardé. Prendre un balle à kick, bah, un kick. Et avec Hadouken, pas spécialement très grave. Genki qui est légèrement en retard. Ouais, pas pris la balle. Imprévisible Shoryu, c'est le Jim Shoryu. Et le Jim Shoryu qui propulse son équipe. 1-0. Mais ce dragon, envisagez, mettez-vous à la place d'un joueur qui prend ça. Mettez-vous à la place. Comment tu veux? Ça n'est plus possible. Tu dis soit le mec qui voit tout, soit il en a rien à battre. Et dans les deux cas, je suis mal. Je suis vraiment très très mal. Et c'est vrai qu'en un, il n'y a rien de plus dangereux. Kametsu, qui s'est mis pieds nus, on est bien. Pour faire un peu de foot dive. Foot dive. Qui est donc le dernier rempart face à Kindevu qui a eh bien, subi sa première défaite contre Luffy. Kabetsu, hein, dont le surnom signifie chou, un chou japonais, voilà. Évidemment, quelqu'un assez atypique, un petit effet schnapseur comme on aime à dire. Et c'est une stance, on va dire, assez atypique. Ah, oh, ça se serre la main, voilà. On enlève les vrais combats européens, ça on aime. Même entre japonais. Mesdames et messieurs, ça va probablement être un match du feu de Dieu. Le vainqueur du Togeki, Kabetsu, face à Kindevu. Et c'est au Stunfest, c'est maintenant, c'est là. Vous aussi sur le stream, j'espère que vous allez apprécier. Kabetsu qui maintient son stick avec les pieds. Un stick d'une stabilité extrême. Et un stick à une odeur de pied. Ça va peut-être lui servir. Technique d'antivol de stick. Niveau expert. Qui n'a vu Kabetsu. Et cette Viper blanche qui a fait trembler tout de même pas mal de monde, ils ont sorti les teams Misotelus, ils ont sorti beaucoup d'équipes. Allez, le premier reste de garde pour Kindevu qui va remettre l'Okizem. Difficile pour Viper d'éviter ses deux forces. Un combo, une ouverture, c'est Sun, et voilà Sun fait, c'est vrai. Avec Exo Strike, pas gros point, balayette, le Hard Up pour remettre la base. Il a fait faire là-haut, mais non. Juste non. Pas à ce moment-là, pas au spirale à haut. Il reste à moins 12 000. Kabetsu qui est pas dedans,
parce qu'il faut être chaud en un match, il a tout de suite démarré. Il a pas le temps, lui, Kim Devu, lui. Il récite ses setups. Voilà, ça y est, une backdash avec le saut et qui avait su très sur la défensive, qui réussit à passer le bonheur des Burning King. Peut-être que le premier sang est significatif. Well setting avec un sacrifice hit sur ce backdash. Le Cat Under Knuckle, il rebackdash parce qu'il a peur du dragon. Et ce second pied, il a essayé de bourrer un dragon, mais ce Lex Strike, il est quand même pas passé. Attention à l'Okizé, il faut pas se reprendre le verso de garde du coup de Deathwing bar de Hex. Avec ce Hex Burning Kick, le Burning Kick qui oui, fait immédiatement le finish par de MK. Et le Spiral Arrow, encore Hex Strike qui casse la tentative de Burning Kick. D'Akamitsu qui n'a plus d'air. Juste plus d'air pour respirer. Regardez, la main tendue tout de même. Quel match et quelle domination de la part de Kim Devu, définitivement le meilleur joueur japonais de cette compétition, à n'en pas douter. Kabetsu a fait du mieux qu'il peut. Alors,